suppose que vous voulez analyser ça avec les dates. Donc, clique sur insertion, tableau dynamique, on valide, on prend date. On fait clic droit sur la cellule A4, on a dissocié. Si je prends item 2 dans les colonnes, si on prend quantité dans les valeurs, force de dialogue, voilà les quantités. Si je prends création, la disposition, je fais sous forme tabulaire. Je peux grouper ici les dates, clic droit, grouper. Sinon, vous avez dans l'analyse, vous pouvez choisir grouper. Donc grouper, grouper le champ. On prend année et mois et on valide. Et voilà, vous avez l'année, vous avez le mois. Pour remplir ces cellules vides dans la création, dans la disposition, vous avez répété sur les étiquettes d'éléments. Puis changer le format, afin quelque droit, afficher des champs. L'année, vous pouvez la mettre dans les filtres. Voilà le somme des quantités. Il suffit de faire un choix dans B1 de l'année. 2017, vous avez 2018. Si vous voulez tous, prendre tous, et voilà. Ça, c'est pour les quantités. On peut faire clic droit, afficher des champs. On peut décocher quantité. On peut prendre ici le montant. On peut lancer le dialogue. Choisir le nombre. Si clic droit, format des nombres. Choisir monétaire et on valide. Donc voici les données par mois et par année. Pour changer le format, clic droit, fichier du champ. Vous pouvez ajouter année dans les lignes. On peut lancer du dialogue. Et voilà ici les montants. Pour les montants vides, on fait clic droit dans les options. Pour les valeurs vides, on va mettre ici 0. Et on valide. Voici la somme des montants. Si vous voulez la moyenne des montants, vous faites clic droit. Et dans le menu, vous avez synthétisé, vous pouvez prendre la moyenne. Elle est affichée dans la cellule A3. On peut annuler ça. Si vous voulez la valeur maximale, la même chose, clic droit, afficher les valeurs, on prend la valeur maximale. Pour la somme, clic droit, afficher les valeurs, ou bien synthétiser les valeurs, on prend la somme. Somme des caméras, somme des computers, somme des printers. Si vous voulez donner par exemple 2017 pour les printers, dans la cellule E17, je fais un double clic, voici les données de 2017 pour les printers. Si vous ne voulez pas cette feuille, clic droit, supprimer. Si vous voulez le nombre du computer, ou bien les valeurs de la base du computer, vous voulez filtrer pour 2018, le computer, ça veut dire la colonne T. 2018, vous avez le total dans la cellule D29. Un clic droit, vous avez affiché les détails. Sinon, raccourci, faites un double clic sur cette cellule-là. D29. Et voilà, vous avez dans le computer les années 2018, vous avez pris une telle quantité, montant, etc. Merci pour votre temps. Si vous avez une section, si vous avez une location, vous pouvez recevoir des vidéos utiles et agréables.